Le direct avec Nestlé Aquarelle, l'eau officielle du Tour de France. Et roulez, respirez sur France 2 avec les maquettes vélo et oxygène. C'est vraiment une épopée que nous, journalistes, nous chantons année après année. 200 mètres, 180 mètres, 100... Le journaliste de pour le coureur à cette époque-là était le complément absolument indispensable. Je suis content parce que j'avais jamais gagné d'étape, alors... Inventé par la presse, raconté par la radio et magnifié par la télévision, le Tour de France est lié depuis toujours aux médias. Un scénariste qui aurait écrit un sport, il aurait écrit le cyclisme pour la télé. Le Tour de France, c'est de la télé-réalité. Une véritable folie! Les miroirs du... Trois documentaires qui analysent la mise en spectacle d'une légende. À suivre pendant la Grande Boucle sur France 2. Un siècle d'exploits, un siècle d'émotions. Du 5 au 27 juillet, le Tour fait... 100 ans sur France. En terrain de sport. Les marches du Tour. L'eau officielle du Tour de France. Et roulez, respirez sur France 2 avec les... Vélo et oxygène. Les marches du Tour, des marches exceptionnelles. Ce soir à Luzardiden pour Lance Armstrong. Lance Armstrong, vainqueur de l'étape de la deuxième grande, de la troisième grande étape des Pyrénées. Lance Armstrong, vainqueur en solitaire de cette étape, malgré une chute dans l'ascension du Luzardiden. Et Lance Armstrong qui donc gagne cette étape et qui bien sûr conforte sa position au maillot jaune. Vous voyez Lance Armstrong aux côtés de Bernard Hinault et des nombreuses personnalités qui figurent sur le podium. Monsieur Massour, le maire de Luzardiden, Jean-Claude Bastion, le préfet des Hautes-Pyrénées, Martin Malvy, le président du conseil régional Midi-Pyrénées, Madame Chantal Robin-Rodrigo, députée, et Jacques Bemag, le conseiller général des Hautes-Pyrénées. Lance Armstrong, donc félicité sur le podium. C'est sa première victoire d'étape individuelle sur ce Tour de France 2003. Lance Armstrong a remporté entre Joinville et Saint-Dizier l'autre jour le contre-la-montre par équipe en compagnie de l'équipe US Postal, en compagnie de ses coéquipiers. On se souvient qu'il rêvait beaucoup de cette victoire avec ses camarades de l'US Postal pour ce contre-la-montre par équipe. Et aujourd'hui, donc, Lance Armstrong vient de remporter une étape individuelle de la plus belle manière qui soit. Et il reçoit donc le maillot jaune qu'il portait déjà bien sûr avant cette étape, mais qu'il vient aujourd'hui de consolider. Vous avez entendu tout à l'heure la prudence de Lance Armstrong. Tant que les Champs-Élysées ne sont pas atteints, il ne veut surtout pas parler d'une possible cinquième victoire. Mais il est évident que Lance Armstrong, alors que l'on a vu il y a un instant Yann Ulrich avec une serviette autour du cou qui quittait l'air d'arrivée, eh bien Lance Armstrong ce soir se retrouve bien sûr dans une position beaucoup plus confortable. Lance Armstrong qui va maintenant satisfaire à une obligation très agréable pour le porteur du maillot jaune, puisqu'il s'agit bien évidemment de signer trois maillots jaunes. On revoit ici au ralenti les images de l'arrivée, le final de Lance Armstrong. Et vous voyez la manière dont il casse bras tendus littéralement sur la ligne. Cela veut dire bien évidemment qu'il était hors de question pour lui de laisser filer une seconde. Le meilleur grimpeur du Tour de France est maintenant sur le podium. Il s'agit de Richard Virenque. Richard Virenque qui hier avait accompli, on se souvient avec Simonier Dufaux, une longue échappée qui lui avait permis de ramasser de très nombreux points et de consolider définitivement ce maillot blanc à pois rouge. Maillot blanc à pois rouge qu'il va remporter pour la sixième fois, rejoignant dans l'histoire Federico Bahamontes et Lucien Van Impe. Federico Bahamontes, monsieur Federico Bahamontes, regardez, il a plus de 70 ans, une silhouette exceptionnelle. Ici Bernard Hinault. Et l'on revoit au ralenti avec Jean-Maurice Hogg
des images, Richard Virenque sur la gauche de la route, avec ce maillot blanc à pois rouge, si bien porté par le coureur français, auteur d'une longue échappée hier avec Simonier Dufaux, et qui avait, on s'en souvient, remporté, bien sûr, l'étape de Morzine ce jour-là. Il avait pris le maillot jaune, gagné l'étape et pris le maillot blanc à pois rouge. Et ce maillot blanc, il le porte de, ce maillot blanc à pois rouge, il le porte bien sûr depuis. Vous voyez le monde qu'il y a au sommet de Luzardiden, où le brouillard est en train de tomber progressivement. Heureusement, ce brouillard n'a pas perturbé le travail de toutes les équipes techniques de France Télévisions qui ont pu vous proposer un direct tout à fait exceptionnel au sommet de Luzardiden. On savait qu'il s'agissait d'une attaque d'exception. Eh bien, cela s'est confirmé. Cela s'est confirmé. Voilà. Alors que Menchoff est sur le podium pour recevoir le maillot blanc du 92, maillot blanc du meilleur espoir, ce n'est pas rien. 25 ans, ancien vainqueur du Tour de l'Avenir. Richard Virenque, votre opinion sur cette étape? On parlait hier des conséquences qu'elle pouvait avoir sur le classement général. On peut dire que, comme vous parfois, Armstrong a fait aujourd'hui un numéro extraordinaire en montagne. Oui, il a tapé du poing sur la table et il devait le faire. Et je crois que aujourd'hui à Luzardiden, c'était le moment, le bon moment pour le faire. En plus, les conditions climatiques l'avantageaient. Et si on doit noter quelque chose sur ce Tour de France, c'est qu'on s'aperçoit que quand il fait très chaud, Armstrong a du mal. Et dès que les températures reviennent un peu plus clémentes, et ben, il peut vraiment avoir un très bon rendement. Et voilà, donc il a mis, j'irai, tout le monde d'accord aujourd'hui. Ça a été une grande étape pour un leader qui a conforté largement sa position au classement général. Vous pensez qu'il est à l'abri maintenant, un peu plus d'une minute d'avance? Non, on n'est jamais à l'abri dans ce Tour de France. Il y a une journée de repos, certains vont mieux récupérer que d'autres. Et je peux vous dire que la journée de... pas demain mais après-demain va être aussi très difficile et je pense qu'il reste encore un grand chrono et le tour n'est pas fini encore et bon voilà. Le tour n'est pas fini, effectivement. C'est ce que nous disait tout à l'heure Lance Armstrong. Jean-Marie Leblanc est à côté de nous, le directeur général du Tour de France. Jean-Marie Leblanc, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une double question. D'abord, bon, étape exceptionnelle, tour du centenaire exceptionnel, mais aussi cette chute d'Armstrong, cet incident. Je vous ai vu tout à l'heure regarder avec beaucoup, beaucoup d'attention les images. Apparemment, c'est un incident malheureux. Oui, j'essayais de comprendre, j'ai vu et revu l'incident. On a un spectateur qui ne bouge pas, qui est sur le bord de la route, fixé de un peu en travers. Et c'est en coupant au cours que Armstrong le heurte, qu'il tombe et qu'il fait tomber Iban Mayo derrière lui. Et on voit Ulrich faire un grand écart pour ne pas être victime de la chute. Voilà. Il ne bouge pas le spectateur, vous voyez. Ouais. Il avait apparemment une musette, hein, c'est ce que dit Lance Armstrong. Il y avait apparemment une musette qui a également gêné. Heureusement, sans conséquence. C'est toujours votre crainte hein, dans les montées de col. Bien entendu, vous avez vu ce public aujourd'hui, les Basques, enthousiastes. Il y a une espèce d'hystérie, mais ce n'est pas péjoratif. C'est un excès d'enthousiasme. Les gens applaudissent, tout le monde s'avance, participe. On peut pas mettre des barrières partout, n'est-ce pas? Mais les coureurs sont, comment dirais-je, ils sont encadrés par des spectateurs et ils trouvent leur cheminement au milieu des spectateurs. C'est le seul incident, je crois, depuis dans les Alpes, il n'y en a pas eu, je crois, non, ici non plus. Je crois qu'on en a fini avec le plus dur. Je craignais beaucoup cette étape, cette montée de Luzardiden, mais finalement, tout s'est relativement bien passé. Je peux pas vous empêcher de vous dire, avant de vous quitter, de vous laisser... Quel tour exceptionnel. Oui, oh là là, c'est l'opinion générale. Tout le monde applaudit, nous remercie, mais c'est pas nous qui faut remercier. Ce sont les champions, évidemment. Ils nous ont livré un combat fantastique qui n'est pas fini. Qui n'est pas fini. Il y a encore une étape des Pyrénées, dans les Pyrénées Atlantiques, là-bas. Attention, hein, si la chaleur revient, ça pourrait faire mal. Et puis, sans doute, les choses vont se juger définitivement dans le contre-la-montre de Pornic à Nantes. Merci Jean-Marie Leblanc, merci à tous ceux qui sont venus nous voir. Nous allons maintenant nous tourner bien sûr vers Gérard Holtz, vers le plateau du Vélo Club. Gérard, dans quelques minutes, un rendez-vous, le Vélo Club, où l'on aime analyser, parler de cyclisme. Et ce soir, plus que jamais, il y aura des milliers de choses à dire. Qu'est-ce que j'adore. J'adore non seulement avoir vécu ça en direct à la télévision et dans la course avec Bernard Lapassé, le président de la Fédération de rugby. Je crois que c'est du grand spectacle qu'on a vu, président, du grand spectacle aujourd'hui. Et maintenant, on va tout décortiquer pendant 35 minutes et c'est pour ça que j'adore ça. Alors avec d'ailleurs Sylvain Chavanel, le grand héros de la journée, malheureux aussi, on va analyser tout ça avec lui. Et si je puis me permettre un jeu de mots, le pire est né avec Sylvain aujourd'hui. Le pire est né parce qu'il a fait une chevauchée fantastique, rattrapé par un géant.
Armstrong qui lui a fait la petite tape. Enfin bref, on va revoir tout ça et analyser tout ça, donc avec Sylvain Chavanel entre autres. Et puis on va inventer quelque chose. C'est-à-dire que Thierry Adam va rester sur la moto reportage avec une moto caméra et on va suivre la descente des coureurs jusqu'à leur hôtel dans les pentes de l'Uzardiden, mais à l'envers cette fois, pour voir un peu comment ça se passe, la récupération et surtout les minutes qui suivent l'arrivée d'une étape. C'est le côté coulisses qu'on va développer en plus avec Céline Géraud qui nous attend justement là où est l'hôtel, c'est à Odos, là où est l'hôtel des brioches, la boulangère. Voilà. Philippe Lafond. L'œil en coulisses, lui, est resté toute la journée avec les Fassa Bortolo, c'est-à-dire avec Giancarlo Ferretti, qui est le directeur sportif d'Ivan Basso. Très intéressant. Voilà, en gros, le menu. Hein. Merci Gérard, il est copieux comme chaque jour dans le Vélo Club. Vélo Club, donc, dans quelques minutes. Il y aura ensuite à 20h30 le journal du Tour sur France 3 avec Henri Sagnier. Demain, c'est la journée de repos. Demain soir, il y aura quand même bien sûr un journal du Tour pour vous parler de cette journée de repos. Et puis après-demain, eh bien, vous reprendrez le cours de vos émissions avec Henri Sagnier le matin, avec Jean-Paul Ledigion en début d'après-midi, avec le direct, toute l'équipe autour de Christian Prudhomme, ensuite les marches du Tour, le Vélo Club et le journal du Tour. Donc demain, un peu de repos et après-demain, c'est reparti pour ce tour tout à fait exceptionnel. Merci. Les marches du Tour avec Nestlé Aquarelle, l'eau officielle du Tour de France. Et roulez, respirez sur France 2 avec les magasins Vélo et Oxygène. Les amis et moi, nous voulons la liberté et l'égalité pour tous les Algériens, comme pour tous les Français. Mais ce sont vos généraux qui dictent la loi. Nous avons affaire à des fanatiques religieux. On est en train de voler leur terre aux Arabes, mon général. N'exagérons rien. Je vous fiche mon billet que nous allons nettoyer cette racaille. J'ai choisi le chemin de l'honneur. La guerre. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais être sa femme. Tu es naïf, lieutenant Hubert. Après avoir conquis cette terre, vous allez maintenant la cultiver et créer ici une nouvelle patrie. L'Algérie des chimères, un rêve inaccessible à la croisée de deux peuples. Ce soir sur France 2. Pour les 100 ans de la Grande Boucle, coureurs et supporters plébiscitent Cochenou. Avec Cochenou, savourez la tradition du Tour. Y a de la RTL joie. Présente l'album officiel du Tour de France, le double CD événement. Nous avons monté le galibier sous la neige. C'est ce qu'on attend. Les plus grandes chansons françaises en version originale. Plus les plus beaux moments du Tour de France en archives sonores de 1903 à nos jours. Après une victoire comme ça, on fait place au bonheur. L'album officiel du Tour de France, le double CD événement. Également disponible chez votre marchand de journaux. Le maillot à poids, là, il faudra qu'on me l'arrache maintenant pour l'enlever. Nouveau Kangoo, c'est le même, mais en différent. Entrez, vous êtes en studio avec Julien Clerc. J'irai mettre une droite à qui tu veux. J'irai jusqu'à Mike Tyson si je peux. Si c'est pas. Découvrez l'univers de Studio, le nouvel album de Julien Clerc. Avant qu'on aille au fond. Avec Nostalgie, 20 ans de légende. Max Abouzdour, la rechute. Assister aux retrouvailles explosives de Billy Crystal, le psychiatre et Robert De Niro, le mafieux. Ce restaurant était merveilleux. Tantôt, je vais te coller cette fourchette dans l'œil. Jusqu'à la tentative de massacre. La comédie la plus déjantée de l'été. Mafia Blues 2, la rechute en VHS et DVD le 23 juillet. Vous pourriez y mettre au moins 3 Maccabées. Deuxième championnat du monde d'athlétisme du 23 au 31 août au Stade de France. Renseignez-vous au 0 892 69 2003 et dans les caisses d'épargne.
100 chansons françaises de légende, volume 1 et 2. Les plus belles chansons françaises réunies dans deux coffrets 4 CD. J'ai mauvaise réputation. Plus de 10 heures de musique. 100 chansons françaises de légende, volume 1 et 2. Tous les trésors inoubliables de la chanson française à un prix très faible. Restez bien concentrés, nous allons commencer à jouer avec la lettre T. Avec un D. Adresse d'esprit. Souvent, ce sont les lettres qui inspirent le moins mes candidats, oui. Qui leur donnent le plus de points. Dextérité. Avec un R qui agit vite. Chronomètre, s'il vous plaît, 100 secondes. Rapide. Ou n'oubliez pas la lettre V. Attention, top, c'est parti. C'est la lettre H. 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 Avec un G. Être vainqueur de... Notre grande gagnante. Gagné. Nous passons au Q. Et celui qui va jouer avec le Q, c'est Jean-Christophe. Est-ce que vous êtes prête? Avec un C. Le caniche. Le chihuahua. Le chihuahua. Jeu déjà culte. Eh oui, il y a des pièges comme ça. La cible, présentée par Olivier Mine, du lundi au samedi sur France 2. Un siècle d'exploits, un siècle d'émotions. Du 5 au 27 juillet, le Tour fête ses 100 ans sur France Télévisions, le plus grand terrain de sport. Vivez toute l'émotion du Tour de France sur France 2 avec les supermarchés et hypermarchés champions. Et les matelas Simons pour tous les amoureux du sommeil. Bonjour à tous, 17h30 pile, nous sommes à Luzardidène, nous venons de Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, nous avons quitté la ville thermale ce matin avec un beau soleil, ici le soleil est là, il est juste au-dessus de nous, mais ce qui a brillé aujourd'hui c'est la classe, le talent absolu du géant de Lance Armstrong qui démarre et qui tombe et qui chute et qui va même une nouvelle fois être désarçonné ici sur cette action-là. Mais la classe et le talent de Lance Armstrong va payer parce que c'est lui qui va gagner. Première grande victoire individuelle de Lance Armstrong cette année. Son équipe avait gagné le contre-la-montre par équipe, on le sait. 15e étape, 159 km. Deux animateurs aujourd'hui, Botero et Sylvain Chavanel qui est avec nous, qui est salué par le maître Lance Armstrong. Et la grande victoire pour Lance Armstrong aujourd'hui, devant Maillot qui termine à 40 secondes. C'est vrai que le perdant du jour, on peut le dire, c'est plutôt Yann Ulrich et c'est surtout Alexandre Vinokourov qui va terminer à 2 minutes 07 de Lance Armstrong, le visage du guerrier de celui qui a gagné. Merci. Claude Aymard, vous êtes avec moi en direct sur la ligne. Dans le brouillard, ici à Luzardidène. Oui. Oui, tout à fait dans le brouillard, ici, effectivement, avec un premier groupe Eto qui arrive. A priori, il y en aurait un deuxième. Gérard, les délais, 45 minutes, 49 secondes. Et Lance Armstrong est arrivé depuis 35 minutes, 32 secondes. Vous voyez, il reste encore 10 minutes. Et on nous annonce le balai à quoi 4-5 km. Ce sera peut-être difficile pour les coureurs qui se trouvent juste devant le balai. Voilà justement le groupe Eto, Claude, qui vient juste d'arriver. Avec, oui, effectivement, le premier groupe Eto. Tiens, on va se diriger vers... Oui, il y a Bradley Magui, il y a bonjour. Carlos da Cruz, on vient les voir souvent. Alors, on va leur demander, terrible cette journée, Carlos. Oui, bah, pas facile après celle d'hier, mais je pense qu'on a fait le plus dur là. Et maintenant, il va falloir se concentrer pour défendre le maillot vert et accumuler les points. Là, ça va être des étapes plus pour nous. Et bah, maintenant, on attend avec impatience l'après-journée de repos. Ouais. Tiens, je me dirige vers Nicolas Vaugondi qui va s'apprêter à redescendre. Nicolas, ce matin, vous étiez devant, vous étiez dans une des attaques. Hein. Oui, ce matin, j'étais devant. Bon, Marc Madiot m'avait demandé de sortir de loin, comme hier. Malheureusement, l'échappée n'a pas duré longtemps et après, c'était très difficile. Merci Nicolas. Gérard, si on a encore une petite seconde, on se dirige, si la caméra arrive à me suivre, vers Ludovic Turpin. Ludo, il y avait des coureurs de votre équipe ce matin devant. C'était en mémoire de Laurie, de Laurios, qui nous a quittés hier. Ouais, c'était un hommage et c'était vraiment pour moi un petit hommage, mais j'en avais gros sur le cœur ce matin pour partir. Et j'ai du mal encore à expliquer ce qui se passe et j'ai du mal à réaliser.
Et ce matin, dans la première côte, c'était vraiment très dur. J'étais encore, ma tête était encore chez Lori. Et j'ai vraiment eu du mal aujourd'hui et j'avais pas le cœur à faire du vélo. Oui, ce matin, il y avait Bocharov, Flickinger et Christophe Auriol qui ont essayé d'être dans la première échappée. Vincent Lavenu, vous avez dit de penser très fort à Lorios dans cette course. Oui, c'est vrai. Bon, moi, j'ai pas réussi à me surmotiver. Ça m'a... Mon cœur était encore avec lui et j'ai eu du mal à être attentif à la course et ça ira peut-être mieux dans les prochains jours. Merci Ludovic, tout le monde pense à lui. Voilà Gérard. Oui, les coureurs d'AG2R qui portaient un petit crêpe noir sur le maillot aujourd'hui. Il y a d'ailleurs eu une minute de silence ce matin, on l'a vécu en direct sur France Télévisions, à la mémoire de Lori Haus, donc coureur d'AG2R estonien, qui a été renversé par un chauffard alcoolique sur les routes d'entraînement en Estonie. Évidemment, on ne va pas refaire un grand débat sur la sécurité en France, s'il vous plaît, lorsque vous roulez ailleurs, lorsque vous roulez, ménagez les cyclistes, prenez de la largeur sur la route. C'est souvent pas le cas de la part de beaucoup d'automobilistes qui ne se rendent plus compte aujourd'hui à quel point c'est un danger, ne serait-ce que la traînée aérodynamique qui est juste à côté de la voiture vis-à-vis des coureurs qui roulent. Sylvain Javanel, merci d'être avec nous. Laurent Jalabert, aussi, merci. On a vécu une très grande étape et en grande partie grâce à vous. Donc au départ, j'ai envie de vous dire merci, Sylvain, parce que vous avez mis le feu aux poudres très tôt ce matin. Bah, très tôt, c'est pas moi qui l'ai mis dès le départ, mais bon, je voulais être dans la première échappée. C'est vrai qu'on m'a vu dans toutes les échappées. Il y a une grosse échappée qui s'est formée de bonne heure. Après, c'est rentré, c'est l'équipe CSC qui roulait derrière. Bon, après, j'ai insisté avec Botero, on est sortis tous les deux. Malheureusement, Botero était pas dans son assiette. Et au pied du Tourmalet, il a lâché, j'ai monté à mon train et j'ai bien géré mes efforts. Alors, est-ce qu'il vous l'a dit ou est-ce que vous l'avez simplement senti? Oui, il m'a fait un signe qu'il était comme ça. Et voilà, quoi, on se comprend sur le vélo. Alors donc, vous commenciez à le dire tout à l'heure donc au micro de Claude Aymard. C'est une tactique qui était déjà organisée chez vous, chez la boulangère, de sortir comme ça, et en particulier vous? Aujourd'hui, c'était pas moi qui était prévu dans l'échappée, mais c'est tombé sur moi, comme par hasard. Quand c'est moi qui dois y aller, j'y suis pas, et quand c'est pas moi qui dois pas y aller, j'y suis, donc c'est comme ça. Mais je suis content, ça m'a remis le moral, et puis parce qu'il y a deux jours, j'étais limite à rentrer à la maison. Donc là, je vais m'accrocher, et il reste plus qu'après-demain. Et après, ça sera Paris, et voilà. Alors, ce qui était étonnant quand on a entendu que vous êtes échappé avec Botero, c'est qu'on s'est dit, tiens, ces deux-là, ils veulent sauver un peu leur Tour de France. Parce qu'à la fois, Botero est passé complètement à côté, et vous êtes dans le coup, mais vous n'avez pas jusqu'à maintenant brillé. Bah, je vais essayer de briller sur les étapes. Bon, j'ai fait troisième à Morzine. Bon, classement général, je pense que c'est trop tôt pour en parler. Et non, je vais essayer de me montrer d'ici la fin encore. Il y a des étapes plates. Une à Saint-Mexant qui arrive chez moi, mais bon, on ne fait pas ce qu'on veut. On va essayer de tout faire pour qu'on voit encore la boulangère et gagner une étape. Sylvain, vous êtes en tête, vous avez 5 minutes d'avance, 4, 3, 2, et puis vous vous rendez compte que c'est Armstrong derrière qui vient attaquer et qui a décidé vraiment d'attaquer. Et là, vous vous dites, c'est terminé. Bah, à un moment, j'y croyais. Et après, quand j'ai vu que c'était le numéro d'Armstrong, l'As... qui était derrière moi, donc j'ai dit que c'était terminé parce que déjà quand je l'ai vu, il m'a fait une petite tape amicale et j'ai vu que dans son regard il avait la hargne et ouais, je l'ai laissé. Et vous laissez. Laurent Jalabert, vous avez souligné tout à l'heure à l'antenne que Lance Armstrong avait retrouvé sa façon de pédaler des grands jours. Oui, c'est vrai que dans le Tourmalet, j'étais surpris parce qu'il a perdu quelques mètres sur une attaque de Maillot d'abord, puis Ulrich ensuite. Et il a monté ce col du Tourmalet avec un grand braquet, alors que lui, on a l'habitude de le voir plutôt comme ça, rouler en souplesse. Et finalement, dans les premières pentes de l'Uzardiden, alors est-ce que c'est sa chute qui l'a énervé? Certainement, mais bon, il avait quand même la jambe et il a monté comme au grand jour, comme dans ses meilleures années, je veux dire à sa meilleure époque où il a attaqué de loin, mais il faut quand même retenir qu'il n'est pas non plus creusé un écart trop important. Non. Ulrich, je pense, a été... il n'est pas tombé là, mais... À mon avis, Ulrich n'aime pas les changements de rythme et donc sur la chute d'Armstrong, il a été très fair-play, il l'a attendu, il a levé le pied et puis c'est Maillot qui a rattaqué après.
Et là, Armstrong, je pense, vexé, est parti derrière. Et Ulrich a accusé un petit peu le coup, à mon avis. Et il s'est peut-être effondré aussi un petit peu moralement avant de se ressaisir et de limiter l'écart, finalement. 40 secondes sur pratiquement 10 km de montée. On ne peut pas dire qu'il ait été dominateur, Armstrong, mais il a été là le jour où il fallait, en fait. Il y avait une opportunité pour lui d'essayer de gagner ce tour. C'était aujourd'hui. Je pense qu'il était conscient depuis longtemps qu'il n'avait pas forcément les moyens d'assommer le tour. Qu'il n'avait pas une équipe non plus dominatrice comme les autres années, donc il a su attendre le moment opportun, il l'a fait dans le Zardiden, il a tenté sa chance et il se retrouve avec 1 minute et 3 secondes d'avance sur Ulrich avant le contre-la-montre. Alors Laurent, ça c'est le Tourmalet qu'on vient de voir à l'instant, c'est le moment justement, vous disiez, qu'il tirait un peu gros quoi. Hein. Là c'était pas le vrai Armstrong. Les rôles étaient un peu inversés, Ulrich moulinait, enfin tournait les jambes vite et Armstrong tirait gros, alors je pense qu'il a eu un mauvais passage à cet endroit-là. Mais il s'est ressaisi dans la montée de l'Uzardiden, c'est évident en tout cas. Et Ulrich, à l'inverse, lui, a un peu faibli dans cette dernière montée. Et donc les rôles ont été inversés et le résultat, on le connaît. Hein. C'est Armstrong qui consolide son maillot jaune et Ulrich qui perd peut-être, parce qu'il n'a pas perdu encore le tour. Hein. S'il nous sort en contre-la-montre comme il a fait à Cap Découverte, il peut encore gagner. Il a peut-être perdu le tour aujourd'hui. Avec votre œil de spécialiste, Laurent, quel genre de plateau il peut avoir? Il a un 39, d'après vous, là? Oui, je pense qu'il a un 39. Il montait avec... quand il est parti, il avait le 17, me semble-t-il, et ensuite, il a tourné les jambes. On a l'impression qu'il tourne beaucoup les jambes, ensemble. En fait, il monte vite, c'est ça surtout. Ça tourne vite parce qu'il monte vite. Mais ce qui était impressionnant, c'est... Enfin, moi, j'ai jamais eu l'occasion de le suivre en vélo, donc aujourd'hui, j'étais privilégié quand même. Et ce qui était impressionnant, c'est de le voir arriver dans les virages. J'ai eu l'impression, même un virage qui était un petit peu plat, qu'il freinait, oui, effectivement, il freinait un petit peu pour tourner, pour pas rentrer dans les motos. Donc ça, c'est beau à voir. Alors, je retourne un petit peu vers Mimosa parce qu'on sait qu'on vous attend. Ça vous plaît qu'on vous appelle, qu'on continue de vous appeler Mimosa ou pas? Parce que j'ai vu des pancartes sur le bord de la route, Sylvain. Ouais, mais je préfère Sylvain et puis Mimo, bon, ça reste dans l'équipe, quoi, c'est tout. Bon, d'accord. Donc, on déborde pas de là. Sylvain, deux ou trois petites choses. Jean-René Bernaudot, il y a quelques temps, vous accusait d'être un impatient. Ça, c'était il y a 2 ou 3 ans. En disant, vous attaquez un peu tout le temps et presque n'importe comment. Bah, c'est mon tempérament de départ, c'est mon caractère, donc pour le changer, on le change pas du jour au lendemain. On fait des bêtises, tout ça, on essaye d'apprendre, de prendre de l'expérience, et au fil des années, c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est ce que vous êtes dit sur ce tour cette année, c'est je continue d'apprendre, n'attendez pas trop de moi au classement général, c'est ça? C'est sûr que là j'ai appris, j'ai vu ce que c'était le groupe Eto, on en bave autant que devant, donc on a autant de mérite dans le groupe Eto que devant. Mais ça fait partie de la carrière, c'est des choses qu'il faut accepter. Merci Sylvain. Je crois que Jean-René Bernaudot, qui est avec Thierry Adam donc sur la moto en ce moment, vous attend parce que vous allez redescendre dans la vallée. Merci beaucoup. Au moment où Michel Drucker, qui était derrière le groupe Eto, vient nous rejoindre. Merci Sylvain. Quittez ce plateau vite, récupérez, reprenez votre magnifique vélo time et redescendre dans la vallée pour récupérer. C'était Monsieur Sylvain, on va s'en souvenir. Mimo, c'est juste dans l'équipe. Thierry, vous êtes au moins en son avec nous? Oui, je suis au moins en son, c'est déjà pas mal. De toute façon, on peut pas faire autre chose avec Jean-René. Jean-René, on va expliquer, voilà, visuellement. Non, j'ai l'image, on a l'image. Ah ben voilà, on est... avec des gendarmes. Voilà, on est au milieu des gendarmes, on est complètement au milieu de tout le monde et on attend que la voiture balai passe pour repartir. Alors comment ça s'organise, Jean-René? Comment vous allez organiser? Vous discutez avec votre ville, comment vous organisez votre retour là? On est en liaison avec notre scanner, avec le conducteur de notre bus, et aujourd'hui c'est un peu compliqué, c'est quand même une journée un peu particulière, sans doute la plus compliquée à gérer, mais là on vient d'apprendre à l'instant que tout le monde est monté sauf Damien Nazon et Thomas Vauclair qui sont ici dans la voiture, qui vont rester dans notre voiture. On attend que le balai passe, donc dès que le balai passe, il y a une escorte qui va nous descendre et nous allons retrouver notre hôtel à Tarbes dans, j'espère, avant 2 heures, mais c'est quand même une grosse journée. En passant, vous prenez vos garçons au bus? Non, eux, ils sont déjà changés dans le bus et une voiture privée emmène les trois premiers, dont Didier Roux, Sylvain Chavanel. D'accord, merci. On va s'organiser pour descendre. C'est pas gagné, hein? On vient de vous voir, Claude Aymar, fugitivement sur la ligne d'arrivée pour nous parler des délais. Oui, effectivement. Regardez, vous le voyez derrière, 46 minutes, 21 secondes que Lance Armstrong a franchi cette ligne d'arrivée. Il ne reste plus qu'un coureur derrière qui ne terminera pas, qui sera hors délai. C'est Axel Merckx. On l'a vu tout à l'heure avec Guy Baudgiron, notre pilote dans la voiture. On l'a vu qui était loin, loin du peloton et qui n'est pas arrivé à recoller. Axel, il est derrière. Il va être éliminé ce soir. Merci Claude, merci. David Moncoutier vient de nous rejoindre. Merci David d'être avec nous. Je vous ai vu, je viens de vous voir dans le groupe Eto, David. Comment est-ce possible? Vous qui êtes plutôt un grimpeur.
Ouais, mais grimpeur, quand on est cuit, ben, on est comme les autres, on est fatigué, donc ben, on prend le groupe étau et on essaie de terminer comme on peut. Donc c'était pas une bonne journée? Ben, on va dire que depuis le début du tour, c'est vrai que on va dire que j'ai plus de mal que l'année dernière. Enfin, j'ai l'impression que ça roule beaucoup plus vite. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal, ouais. C'est dû à quoi? Fatigue avant le tour ou c'est pendant le tour, ces chaleurs, le rythme général de la course? Ben, il y a un peu tout. Le tour est vraiment dur cette année. C'est vrai que le niveau est très relevé, ça roule très très vite. La chaleur, bon, c'est vrai qu'avant le tour, j'ai pas été super non plus, donc un passage à vide et ben, je comptais que sur le tour ça aille mieux, mais bon, j'espère encore d'ici la fin, on sait jamais, même peut-être sur le plat. On a vu aussi David Millard, votre leader d'équipe, en difficulté aujourd'hui. Vous avez des nouvelles? Bah, il semblait aller un peu mieux que hier, parce que hier il a vécu une très mauvaise journée. Ouais, il avait vraiment du mal. Et aujourd'hui, il avait l'air mieux. Il avait l'air mieux, il y a journée de repos. Puis il va arriver à Bayonne après chez lui, donc j'espère qu'il va se refaire d'ici la fin. Bernard Ménès, vous avez suivi, vous êtes une sorte de parrain pour l'équipe Cofidis, vous avez suivi toute l'étape dans la voiture. David va mieux, ça c'est sûr, on rigolait un peu pendant la montée du Zardidène ensemble. Et il y a Massimiliano Lelli qui a fait vraiment une très très belle course et qui a réussi une très belle étape en tout cas. Mm-hmm. Voilà, ils sont très courageux. Hein. Très courageux. Je crois que le temps a changé un petit peu les choses et je ne sais pas si les analyses ont été faites, mais il semble vraiment que Armstrong s'est un peu retrouvé aussi à travers le temps, pas seulement les jambes. David, je vais vous laisser repartir aussi hein, parce qu'il y a une longue route, il y a un convoi qui s'organise. Normalement, une partie des coureurs redescendait en hélicoptère pour gagner un peu de temps, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible avec le brouillard. La journée de repos va être particulièrement bienvenue. Bah oui, comme toutes les journées de repos. Je pense que c'est vrai que ces trois jours dans les Pyrénées ont été difficiles et maintenant c'est la dernière ligne droite vers Paris, mais il y a encore la journée de mercredi qui est très difficile et encore piège, donc il faut passer celle-là aussi. David, c'est vraiment dans les jambes, c'est pas dans la tête un petit peu, c'est pas un manque de morale, un manque de punch? Bah, c'est un peu les deux. Au début quand on voit pas trop, quoi, on a du mal à suivre un peu, après c'est vrai que c'est la tête un peu, la tête elle lâche aussi après. Et je pense que, ouais, un peu les deux, mais les jambes d'abord quand même. Merci David. Je pense que David Millard fera quelque chose d'ici la fin du tour. Ah, vous le sentez? Oui, oui. Vous pariez? Oui, oui. Bon, rendez-vous à Paris? Oui, oui. D'accord. Il a parié avec moi. Allez. Merci. Céline Giraud, vous êtes dans l'hôtel de la Boulangère, justement, de la Voyage la Boulangère, puisque c'est le nom de l'équipe, et vous attendez en ce moment que les coureurs arrivent, donc pour l'instant ils sont bloqués. Céline, qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est du côté d'Odos. Je suis effectivement dans les coulisses de l'exploit du côté d'Hôtel Concorde, dans la région de Tarbes, où il y a l'équipe la Brioche la Boulangère, justement l'équipe de Sylvain, et en ce moment c'est un peu l'effervescence parce qu'on prépare et la collation et le dîner du soir. Là, il y a Franck qui est en train de s'amuser avec Betty, c'est la cuisinière. Et alors, Vous êtes le chef. Ce qui est intéressant, c'est que là, bon, il y a le rôti de dinde, on va peut-être le mettre au four. C'est l'heure. Voilà, et pendant ce temps-là, avec Franck, on va regarder le menu. Oui, c'est un peu maïté. On a trouvé la maïté du Tour de France, c'est elle. Bon. Franck, ça c'est le menu qui est fait par ASO pendant tout le Tour de France. Voilà. Les organisateurs qui sont pris en charge. Voilà. Et donc du coup, vous adaptez, vous vérifiez avec la cuisinière à chaque fois. Moi, je demande une confirmation tous les jours à l'hôtel. Et en fonction du menu, si vraiment il y a une modification à apporter, on l'apporte 48 heures ou voire 3 jours avant pour être tranquille par rapport à ça. Ce soir normalement, pour Sylvain et ses copains. Pour Sylvain, on a fait une petite modification, enfin pour Sylvain et ses copains, voilà. Une petite modification par rapport à l'entrée. Hein, ça on va changer. On a toujours la même chose, on a changé un petit peu. Alors. Bon, hier il y avait betterave, fond d'artichaut, qu'est-ce qu'il y avait après? Fond d'artichaut, betterave, tomate, avec la vinaigrette séparément à part, comme d'habitude. Alors, ce soir on change tout parce que les entrées, voilà. Alors c'est des... Non, c'est pas tout à fait ça. Alors c'est des tomates à la mozzarella. Oui. C'est une... des pâtes en salade, ouais. Et donc je vais les chercher si vous voulez. Ouais, très bien, et pendant ce temps, on va nous expliquer. Voilà, donc là, il y a des pâtes ce soir évidemment. Alors on rappelle qu'il y a deux cuisiniers en fait qui sont de l'organisation, qui s'occupent un peu de la cuisson, qui passent, qui font le tour des équipes, et vous ce soir vous êtes tout seul. Hein. Voilà, complètement. Donc moi la confirmation de ce soir, normalement ça serait de rôti de dinde, tagliatelle carbonara, épinards en branche, petit suisse et flan nature pour dessert. Très bien. Voilà. Là on voit les petites patates, les pâtes et les petites saucisses. Voilà. Un petit peu pour changer, hein. Donc c'est un menu, donc on s'adapte. Vous voyez, en fait, chaque équipe doit s'adapter à la cuisine, aux cuisiniers
Et généralement, ça se passe bien parce que ce sont des gens très sympathiques. Et là, y a Thierry, lui, il est en train de préparer la collation qui va être servie aux coureurs d'ici quelques minutes dès qu'ils vont arriver à l'hôtel, le temps de descendre de la montagne. Les patates chaudes. Thierry, ça, c'est une espèce de must, c'est tout le temps comme ça, quoi. Ah ben ça, c'est drôlement pratique. Les pommes de terre, ça permet de récupérer très rapidement. Et puis, chez nous, chez la brioche, la boulangère, on a pris par habitude de faire la collation dans une salle du restaurant, de façon à ce que les coureurs ne salissent pas les chambres, parce que les chambres, c'est pas fait pour manger. Donc, il y a du jambon, du fromage. Il y a des pommes de terre, il y a des yaourts au bif et du sactif. Il y a des compotes, parce qu'il y a le petit gelin, il préfère la compote. Et Sylvain, il mange quoi alors? Patates? Ouais, Sylvain, il aime bien les pommes de terre quand il a fait une étape longue comme aujourd'hui. Bon, apparemment, je pense qu'il a mangé les pommes de terre. Ensuite, Didier Rousse aime bien le lait de soja avec du muesli, céréales. Damien Azon préfère la compote avec un petit peu de miel. Et ensuite, bon, un type comme Walter préfère du salé, donc il prend du jambon et du fromage dans un petit peu de pain. Voilà les petites mains de la brioche. On va monter dans les étages, Gérard, et on essaie de vous retrouver d'ici quelques minutes si les coureurs arrivent. Merci Céline. Intéressant. On est un petit peu loin de la course, c'est vrai, puisqu'on est dans la vallée avec les mécanos et les cuisiniers qui préparent tout donc pour l'arrivée des coureurs. Ça va. Mais c'est en ce moment même. Hein. C'est le boulot qu'on voit rarement dans le Tour de France. Richard Virenque avec Claude Aymard. Richard. Maillot blanc à pois rouge, Richard Virenque. Bon, aujourd'hui, Richard, après la superbe étape hier, votre but, c'était quoi? Même pas d'assurer ses points, c'était d'assurer l'étape. Oui, d'assurer l'étape, mais je peux vous dire que j'ai senti que hier, j'avais fait quand même la course. Et quand on fait une journée comme on a fait hier devant, forcément, c'est un peu plus difficile dans les derniers cols. Mais ça s'est pas trop mal passé aujourd'hui pour moi. J'ai assuré un peu de points dans l'Aubisque, je crois, et ensuite ma journée au pied de l'Uzardiden, j'ai monté à mon train et voilà quoi. Donc maintenant on va profiter de la journée de repos et il y a encore une belle étape après-demain, mais je crois que mon Tour de France est bien réussi quand même. Oui, alors quel est votre but dans ces dernières étapes qui vont arriver après l'étape de repos? Il y a encore un petit peu de montagne, mais c'est quoi? Faire encore quelques cols, prendre encore quelques points pour assurer vraiment ce maillot, ou encore essayer de chevaucher si les gens me répondent? Le maillot, il est soudé là, je crois. Donc, de ce côté-là, je crois que j'ai beaucoup donné dans les Alpes, j'ai beaucoup donné dans les Pyrénées. Et simplement, je vais profiter des jours qui arrivent. Je vais les prendre comme ça et on pensera déjà à l'année prochaine. Mais non, on va profiter maintenant. Journée de repos demain, qu'est-ce que vous allez faire? Tiens, de hors vélo, parce que vous allez sans doute rouler un petit peu hors vélo, qu'est-ce que vous allez faire? Comment Richard Virenque se décontracte lors de la journée de repos? Ben, on regarde la télé, j'appelle ma femme, les enfants, on discute un peu. Je vais faire sûrement une bonne petite sieste après avoir mangé et voilà, on va se reposer. Merci Richard. Justement Richard, à 13h50 demain, à 13h50, ne manquez pas le troisième épisode de la grande histoire du Tour de Jean-Maurice Hogg. Nous sommes en direct avec la voiture balai, Claude Aymard, qui vient de passer la ligne d'arrivée, qui d'ailleurs fait demi-tour sur la ligne. Oui. Oui, exactement Gérard, et vous avez peut-être à l'image Axel Merckx qui vient d'en terminer, qui est écroulé sur son vélo, il pleure et Axel parce qu'il est éliminé ce soir, il est arrivé 10 minutes après les délais, c'est-à-dire 55 minutes après Lance Armstrong, c'est difficile pour Axel, on attend peut-être un peu avant d'aller essayer d'aller le voir Gérard. Oui, respectez peut-être un petit peu, respectez beaucoup oui, même, tout à fait. Sa douleur et sa tristesse. Exactement. Le pauvre Axel qui a été lâché dès les premiers kilomètres aujourd'hui, en difficulté dès le kilomètre 20 pratiquement, avec Gates, un autre membre de son équipe. Oui. Léon Vambon aussi, Decker aussi, était en difficulté. Oui, Philippe Gaumont aussi, on l'a vu en difficulté, Philippe avec Cuesta, et puis ils ont pu en terminer, on l'a vu tout à l'heure, dans le premier groupe Eto, il s'est bien rattrapé, mais pour Axel, eh ben, c'est terminé, le tour est terminé. Quoi. Ouais, c'est toujours une scène très difficile. Tiens, voilà Philippe Gaumont lâché lui aussi dans les premières pentes de la journée, pratiquement dès la sortie de Bagnères-de-Bigorre. Philippe en grande difficulté. Bien, on va maintenant passer donc avec Jean-René Godard, ici sur le plateau de Vélo Club, et avec Michel Drucker. Michel, vous avez vécu l'étape à l'arrière du peloton, à l'avant? Avec ceux que vous venez de citer. Je suis resté avec Axel pendant une heure et demie, je suis resté avec Gaumont, je suis resté avec David Millard, et je suis resté très longtemps à côté d'Axel Merckx, et le voir arriver dans cet état, ça me fend le cœur, parce qu'il a vraiment souffert, et je pensais qu'il voulait rentrer dans les délais, évidemment.
Mais c'est terrible. Hein. On a beau aimer le vélo et être habitué, nous qui sommes des passionnés, à chaque fois que je vais dans une étape comme celle-là, j'en sors bouleversé, parce que surtout quand on reste à l'arrière. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Je suis resté avec tous ceux qui ont souffert le martyre. Quoi. Thierry Adam, ça y est, la liaison est bonne. Vous êtes sur la moto et vous êtes à côté donc, de Jean-René Bernaudot et des coureurs de la boulangère, c'est ça, Thierry? Oui, tout le monde a attendu en fait, là, que la voiture balai soit passée. C'était le deal qui était prévu. C'est valable pour tout le monde, puisque nous allons seulement démarrer avec la voiture de Thierry Bricot et celle de Jean-René Bernaudot. Mais c'est la même chose pour Yann Ulrich, comme il est allé répondre à la presse et tout. Il est finalement descendu à pied jusqu'ici. Et la voiture de Yann Ulrich dans sa voiture sont juste devant nous. Ils attendent que le convoi descende, bien évidemment. Ça fait le bonheur de la presse allemande qui a pu l'interviewer. Alors que moi, je descends avec Damien Nazon et Thomas Vauclair dans la voiture de Thierry Bricot. On vient juste de démarrer, juste de quitter le parking en convoi. La voiture de Manolo Cés qui passe. Il faut expliquer donc que vous êtes encore donc, au sommet ici de l'Uzardiden avec une caméra son et une caméra vidéo, évidemment. La voiture de Marc Madiot qui passe devant vous. C'est une sorte de convoi qui est organisé pour pouvoir redescendre dans la plaine. C'est ça, Thierry? Oui, tout à fait. La voiture de Bjarne Riis. Voilà, c'est un convoi qui est organisé. La caméra en ce moment est fixe, donc c'est pour ça qu'on essaie un petit peu de décrire un petit peu ce qui se passe autour de vous. Hein. Voilà, alors en fait, on est, c'est-à-dire que c'est assez simple, c'est qu'on est tous descendus par la dérive. C'est-à-dire qu'une fois la ligne passée, juste avant la ligne d'arrivée, il y a une dérive pour les voitures des directeurs sportifs. Et donc, on s'est enfilé dedans. Et puis là, on est sur un parking juste en dessous de l'arrivée. On aperçoit l'arrivée, je vous aperçois, Gérard, enfin, j'aperçois le podium, j'exagère un petit peu. Et donc, nous, on va redescendre tranquillement dans le convoi, mais notre caméra est un tout petit peu en dessous. Là. Donc, on arrive simplement là, à hauteur de la caméra, avec Damien Nazon et Thomas Vauclair. Vous êtes au contact, comme l'on dit. Ok, on se rappelle, Thierry. Donc, on parle du résumé maintenant, Jean-René Godard, de cette étape, de cette 15e, qui va marquer l'histoire du Tour de France avec toutes ces péripéties que nous avons eues, de Bottero-Chavanel jusqu'à la dernière pente de l'Uzardiden, cette chute d'Armstrong, enfin bref, tous ces épisodes. Oui, en fait, ce soir, très simplement, on a envie de dire à Yann Ulrich, à Lance Armstrong, à Bottero, à tous les autres, à Chavanel, on a envie de leur dire tout simplement merci, quoi, parce que franchement, ce qu'ils ont réussi depuis le départ du Tour, et notamment durant ces derniers jours, est tout simplement extraordinaire, extraordinaire. Ils repoussent les limites tous les jours, et nous stupéfient, parce qu'on n'arrive jamais, en fait, pratiquement, à prévoir le scénario de ce qui va se passer. C'est ça qui est extraordinaire. On voit tout de suite les images, donc, de cette étape. C'était la 15e étape pyrénéenne redoutée entre Bagnères et l'Uzardiden. Une étape qui était courte, 159 km, mais avec deux grosses difficultés, le Tourmalet et la montée de l'Uzardiden. Deux attaquants, Bottero, Santi Bottero, le Colombien, accompagné de Sylvain Chavanel, et Chauro de l'équipe AG2R, qui va faire l'accordéon pendant un long moment entre les deux hommes de tête. Deux hommes de tête qui vont assez vite creuser les écarts. On a vu la Yann Ulrich qui était victime d'une crevaison ramenée très vite par ses équipiers dans le peloton. Et il va donc y avoir une succession de difficultés. D'abord des côtes de quatrième catégorie, au sommet desquelles Sylvain Chavanel aura la bonne idée de passer en tête. Et puis ensuite, vous voyez ici le retour de Yann Ulrich, emmené par ses équipiers, ramené par ses équipiers après une crevaison. On voit donc ici Sylvain Chavanel qui enchaîne les passages au sommet des difficultés, comme par exemple au sommet de l'Aspin, où il devance Bottero. À ce moment-là, Chauro, l'homme intercalé, est à 4,46 et le peloton, où Viran passe en première position, le peloton est à 8 minutes. Vous voyez ce peloton très compact qui monte au train. Alors, dans les premières repositions de ce peloton, on a vu beaucoup durant la première partie de l'étape, des coureurs de l'US Postal, des coureurs de la Bianchi, des coureurs de Scatel Euskadi. Bref, les principaux favoris du Tour faisaient tourner leurs équipiers alors que Virenque se battait systématiquement pour prendre des points quand il en avait l'opportunité, c'est le cas ici, et que devant, on l'a vu, Sylvain Chavanel et Santi Bottero se relayaient régulièrement. Santi Bottero, c'est un mystère. Hein. Vous avez vu, il porte le dossard 21. Il était au départ de ce Tour de France le leader de l'équipe Télécom qu'il avait rejoint. C'était le gros transfert de la fin de la saison dernière. On se souvient qu'il y a un an, il avait battu de 12 secondes Lance Armstrong dans le contre-la-montre de Lorient. Et Santi Bottero a raté son tour. Alors que Yann Ulrich qui revient sur le tour, Lance Armstrong qui porte ici le maillot jaune, eux ne le ratent pas ce Tour de France dès l'ascension du Tourmalet.
l'ascension du Tourmalet, donc avant-dernière difficulté de la journée. Il y a une accélération de Jan Ullrich. Lance Armstrong, doucement, on ne peut pas dire sûrement, mais doucement, avec même un peu de difficulté, Lance Armstrong réussit à son train, à son rythme, à revenir dans la roue de Jan Ullrich. Première constatation à ce moment-là, eh bien Vinokourov n'est pas bien. Alexandre Vinokourov, qui a beaucoup tenté durant ces derniers jours, paie aujourd'hui l'addition et Alexandre Vinokourov est décroché. Armstrong, vous le voyez, vient de se recaler dans la roue de Jan Ullrich. Nous sommes toujours dans l'ascension du Tourmalet. Tourmalet, 17,1 km d'ascension, une pente moyenne de 7,4%. Le sommet du Tourmalet à 35 km de l'arrivée. Ibon Mayo revient à hauteur d'Ullrich et d'Armstrong. Et Ibon Mayo tente d'accélérer. Il faut dire que l'environnement au niveau du public, des milliers de spectateurs, de supporters basques qui étaient dans l'école pyrénéen, contribuaient à déclencher cet esprit d'initiative des coureurs d'équipe Euskaltel. Vous avez vu, il y a un instant, Alexandre Vinokourov en difficulté, au courage. Alexandre Vinokourov, lui aussi Tyler Hamilton, va vivre une journée pas facile, avec toujours ce bandage, suite bien sûr à cette fracture au niveau de la clavicule. Voici Alexandre Vinokourov, et devant, il y a le trio, le maillot jaune, le maillot de la Bianchi et le maillot d'Euskaltel. Ibon Mayo est derrière, Zubeldia qui revient, qui recolle. Voici Alex Vinokourov au sommet du Tourmalet. Il est décroché et à ce moment-là, Alexandre Vinokourov, c'est certain, dans sa tête, voit s'envoler tout espoir de gagner le Tour de France. Par contre, dans sa tête, il peut penser au podium. Et pour penser au podium sur le Tour de France, dans une semaine à Paris, eh bien, il va avoir, Alexandre Vinokourov, dans quelques instants, le renfort de Botero. Botero qui était devant avec Chavanel, qui a été décroché par Chavanel, et Botero qui va attendre, voilà l'image, Botero qui va attendre Alexandre Vinokourov et qui va faire un énorme travail dans la fin de l'ascension du Tourmalet et dans la descente vers l'Us Saint-Sauveur. Et Botero va contribuer à sauver probablement la troisième place d'Alexandre Vinokourov. Sylvain Chavanel, lui, continue de lutter devant. Vous voyez qu'il a complètement baissé la fermeture de son maillot. Et derrière, eh bien derrière, la grande bataille que l'on attendait va avoir lieu. Ullrich, Armstrong, Garmendia, accélération d'Ibon Mayo. Regardez qui saute dans sa roue, Lance Armstrong. Derrière, Jan Ullrich fait l'effort et à ce moment-là, je ne voulais pas parler au moment où l'image revenait, à ce moment-là, il y a cette chute absolument incroyable. Il est clair que personne n'a poussé Lance Armstrong. En fait, le spectateur qui était sur le bord de la route, regarde-le bien au ralenti, il était légèrement de travers, voilà, c'est ça. Il n'était pas au bord véritablement de la route, il était légèrement de travers, légèrement de côté. Et c'est comme cela que Lance Armstrong est venu heurter. Vous avez vu le geste, Yann. Yann Ullrich qui se retourne, qui sait bien sûr que Lance Armstrong est tombé et qui faillit encore une fois. Là, vous avez vu qu'il avait déchaussé cal au niveau du pied droit. Et Jan Ullrich, qui connaît donc tous ces problèmes rencontrés par Lance Armstrong, eh bien, Jan Ullrich a une attitude extrêmement respectable. Eh bien, Jan Ullrich attend que Armstrong revienne. Il ne veut pas d'explication. Il ne veut pas que l'explication ne se déroule pas loyalement. Et ça, c'est très, très bien de la part de Jan Ullrich. Et quand tout le monde s'est regroupé, eh bien, Armstrong repart encore une fois. Et alors là, malheureusement, Jan Ullrich ne peut pas le suivre. Et on retrouve, regardez cette image, on retrouve le Armstrong 99, 2000, 2001, 2002, rien à dire. Alexandre Vinokourov se bat pour limiter les écarts et Lance Armstrong est parti. Il faut rappeler quand même que l'attitude de Jan Ullrich aujourd'hui ressemble à celle qu'avait eu Armstrong vis-à-vis de Jan Ullrich il y a 2 ans, quand Jan Ullrich, dans la descente du Porté d'Aspet, avait raté un virage, était parti dans un champ, et on se souvient qu'à l'époque, Lance Armstrong avait attendu Jan Ullrich. Donc il y a entre les deux hommes du respect. Il y a aussi du respect de la part de Lance Armstrong pour Sylvain Chavanel. Quand il le rejoint, après qu'il eut Sylvain Chavanel passé 140 km en tête, eh bien Lance lui tape, vous avez eu cette petite tape sur le côté, avant bien sûr de poursuivre son ascension au sommet de l'Us Ardiden. Derrière, les places comptent, car il y a des secondes de bonification. Jan Ullrich, 3e, Lance Armstrong, bien sûr, 1er. Donc 20 secondes pour Armstrong de bonification, 8 secondes pour Jan Ullrich, ce qui contribue encore, bien sûr, à accentuer l'écart naturel creusé au terme de cette étape. Sur le podium, Lance Armstrong, bien sûr, détendu, souriant.
Vous voyez le classement de l'étape. On remarquera que Sylvain Chavanel a réussi à conserver la 10e place. Il le mérite, Sylvain. Il a fait une très belle étape des Pyrénées. 2,47, c'est pas énorme. Maillot à 40 secondes, Ulrich à 40 secondes, Zubeldi à 40 secondes, Moreau à 43 secondes, 5e. Il se bat, Christophe, pour être le meilleur Français au général. Et le classement général qui apparaît maintenant. Alors là, bien sûr, les positions ont changé. Hier, il y avait 15 secondes. Aujourd'hui, il y a 1,07. Vinokourov est à 2,45. Alors, la victoire dans le tour, le podium, se jouera bien sûr entre Armstrong, Ulrich et Vinokourov. Zubeldia, Mayo, Basso, Hamilton, Moreau, Mancebo, Sastre vont se battre pour les places d'honneur. Mais il est pratiquement certain, bien sûr, que le tour reviendra soit à Lance Armstrong, soit à Jan Ulrich. Il n'est pas exagéré de dire ce soir, je crois, à Luzardiden, que Lance Armstrong a repris l'avantage sur le plan psychologique. Encore une image, Jean-René, c'est le maillot vert, comme il est arrivé très tard en accoute, ah oui. On lui a quand même remis à Baden-Cook. Oui, Baden-Cook. Soyons complets. Maillot... Hein. Oh, il doit être content, Baden, d'être au sommet de Luzardiden. Demain, journée de repos, après, il restera une étape pour aller à Bayonne. Baden, il doit pouvoir commencer à rêver lui aussi des Champs-Élysées. Vous parlez très bien allemand, mais vous savez qu'en anglais, Cook, c'est cuit. Je oui. pense qu'il est cuit. Oui, hein? Il est cuit. Mais vous vous rappelez l'autre jour, Jan Ulrich a pris le contre-la-montre, quand il m'a dit, la première réponse, il dit, je bin kaput. La chauffe, t'en dis aussi, ah oui. Je crois. Épuisé. C'est clair. Thierry Adam, on va tout de suite vous rejoindre. Thierry, vous êtes en direct dans la descente, car si l'expérience marche grâce à la SFP, c'est très intéressant. Oui, ça marche. Son, image, Thierry, c'est à vous. Et après, d'ailleurs, tiens, côté coulisses, on va vous expliquer techniquement comment ça fonctionne. Thierry. Oui, alors on vient de faire 4 km en fait à l'envers, c'est quand même plus facile, hein, moi je vous le dis. Et donc on est descendu, parce que même en moto, en montant c'est difficile. Hein. C'est pas Jean-René qui a dit le contraire. Alors on est en direct, hein, Thierry, il faut le dire. Hein. Oui, on est complètement en direct, c'est-à-dire qu'on vient vraiment de partir. Alors on vient de quitter depuis 4 km le parking, enfin en tout cas ce qui servait de parking aux voitures des directeurs sportifs. Et je vous ai dit, hein, juste 2-3 voitures devant, il y a même Jan Ulrich qui est là, donc il n'y a pas de privilège, hein, il est 2 voitures devant, hein, juste devant. Et donc là, il y a les motards qui nous ouvrent la route, on est vraiment en convoi et donc on a une priorité absolue, les directeurs sportifs ont une priorité absolue, d'ailleurs on fait arrêter les cyclistes, les cyclotouristes sur le bord évidemment et il n'y a pas de voiture hein, puisque les voitures ont été interdites de monter et donc nous sommes dans la descente en fait à l'inverse de ce qu'ils viennent de faire, je ne sais pas s'ils se rappellent vraiment de on vous ce qu'ils voit, ont Thierry. Fait. On vous voit là, on est derrière vous. C'est clair, et c'est même quand on descend ça va aussi vite que quand on monte avec les directeurs sportifs parce qu'ils sont pressés, hein. Parce que mine de rien, Lance Armstrong est arrivé depuis près d'une heure maintenant et donc les coureurs qui sont ici, là, Damien Nazon et Thomas Vauclair sont arrivés eux depuis plus d'une demi-heure, donc ils attendent depuis plus d'une demi-heure, ils attendent tout simplement pour redescendre maintenant à l'hôtel, ce qui fait qu'ils vont entre le moment où ils vont être arrivés ici en haut à Luzardiden et puis la descente vers l'arrivée à l'hôtel, ils vont avoir passé une heure à se refroidir, une heure dans la voiture, une heure sans douche parce qu'exceptionnellement d'habitude on descend pas comme ça, d'habitude on descend, ils descendent les coureurs dans les bus, donc ils ont le temps de se laver, ils ont le temps de se toucher, ils ont le temps de prendre un petit peu de repos. Là, c'est un petit peu différent. Alors, on a mis un micro à Damien Nazon. Je ne sais pas si Damien m'entend. Je vais essayer d'aller à sa hauteur. C'est pas facile dans une série de virages. C'est plus facile en vélo qu'en moto. Ah, Damien, tu nous entends. Parfait. Damien, est-ce que c'est plus facile en voiture qu'en vélo? Est-ce que c'est plus facile en voiture qu'à vélo? Non, c'est quand même plus facile en voiture, même si là on est un petit peu stressé parce que c'est vrai qu'on perd pas trop de temps dans la descente. Mais on est bien escorté. Par rapport au caméraman qu'on voit debout à côté de nous, c'est assez impressionnant. Damien, vous êtes assis où? Je sais pas s'il m'entend. Il est assis où, Thierry, Damien? Il est assis à l'arrière de la voiture. Ça serait bien s'il pouvait descendre la vitre. Passager. S'il pouvait descendre la vitre et en plus avec la télé il nous voit, voilà. Et comme ça, Fabrice Roche et Dominique Kowalski, mon ami du Dakar, va pouvoir le filmer en train de parler, voilà. Coucou Damien, vos impressions? Je suis assez impressionné par le moteur quand même. Et en plus... Damien, vous avez terminé dans le groupe Eto aujourd'hui? Ouais, dans le groupe Eto, ouais. Et là, pour l'instant, il n'y a pas eu de massage encore. Vous avez quand même mangé quelque chose, Damien? Pardon? Vous avez quand même absorbé quelque chose tout de suite après l'arrivée parce qu'il n'y a pas eu de massage. Mais au moins, est-ce que vous avez pris une collation? Non. Non, depuis qu'on est arrivé, c'est un petit peu la course contre la montre encore puisque toutes les minutes sont comptées quoi, au niveau de la récupération. Et une fois la ligne passée, on a pris une petite boisson et...
On a essayé de partir le plus vite possible et on a été escorté. Donc là, on va rejoindre le camping-car qui est en bas pour rejoindre après l'hôtel. Damien, vous qui êtes un sprinter, vous avez l'habitude de prendre des risques. Je vous sens un petit peu crispé quand même là. Non, mais je suis en train de vous écouter, c'est assez impressionnant parce que j'ai la caméra à ma gauche et je suis en train de vous écouter à la télé qui est dans la voiture. Donc je suis assez concentré, effectivement. Eh bien, chapeau la SFP, chapeau les gars qui travaillent pour nous, parce qu'il faut dire aussi, il y a une petite innovation technique, c'est que d'habitude c'est un hélicoptère qui relaie ça. Là, c'est les copains de Michel Drucker. Normalement, si j'ai bien compris le système, c'est l'hélicoptère qui relaie les images, alors que là, l'image monte directement vers un avion qui est en train de faire des ronds au-dessus de la route. Et... ouais. Bon, c'est génial, vous nous rappelez, hein, dans quelques minutes, Thierry, hein, dès qu'il y a une liaison possible encore. D'accord, pas de problème. Et avec, évidemment avec les moyens de France 3. Michel, vous restez avec nous pour encore quelques minutes, hein, puisque c'est Jean-René qui vous répond. On pourra dire un petit mot des équipes techniques. Oui. Hein, parce que vous ne le direz pas pour ne pas faire d'autosatisfaction, oui. Mais je voudrais leur rendre un coup de chapeau, parce que ce qu'on voit là, ça a l'air simple, alors c'est terriblement compliqué, les descentes de col, enfin, Laurent Jalabert découvre ça sur la moto, et je voudrais vraiment vous dire que ce que je vois à la télé depuis le début, c'est absolument génial. Je voudrais dire un coup de chapeau à Jean-Maurice Orff, Jean-Marc Lénoret, je crois qu'il est aux commandes, oui, là, aux commandes, et puis tous les pilotes des motos, je trouve ça hallucinant ce qu'ils font, et les pilotes d'hélico aussi. Voilà. Merci Michel, et France 3 Sud aussi, qui réalise cette émission, qui nous permet. Laurent, on va revenir avant que vous ne partiez faire de la radio sur RTL, on va le dire, puisque vous êtes sur cette radio privée tous les soirs. On va revenir sur la chute d'Armstrong, parce que là, une nouvelle fois, on a vécu un moment très très fort, pour voir presque image par image comment vous analysez ce qui s'est passé. Et puis ensuite, la deuxième incident, où pratiquement une minute plus tard, là, il a failli se vautrer aussi gravement d'ailleurs, hein. Alors, la première chute d'abord, Jean-Marc Lénoret justement, Cathy Soie et Stéphanie Gauthier, est-ce qu'on peut se recaler sur la première chute? On va faire ça presque image par image. Voilà, on l'a ralenti en plus, je crois qu'il a... Bon, il a attaqué en plein voilà, effort, stop, évidemment. On s'arrête, merci, voilà, on s'arrête. Et visiblement, je vois que vous avez entouré une musette, semble-t-il, et je crois qu'il s'est accroché, il y a le frein, l'anse de la musette qui a dû se mettre dans le frein. Voilà, et ça lui a soulevé le guidon, sans le vouloir, évidemment. Et on voit que c'est un petit garçon qui tient la musette, donc évidemment, on ne l'a pas fait exprès. Ça se prend dans la cocotte de frein, et l'anse qui est très près, hein, c'est ça, il est très près du bord droit. C'est la roue avant qui se dérobe, et en fait, je suis sûr qu'il n'a même pas compris pourquoi il est tombé. Il n'a pas senti qu'il y avait un truc qui l'accrochait le guidon. Et regardez Maillot, il a failli passer sur Armstrong d'abord. Maillot, il a fait du rodéo, et il a failli passer dessus, mais il est passé à côté finalement. Et le coude et la clavicule. Ils s'en sortent aussi, et Ulrich, ouais. Hein, Ulrich, regardez Laurent. Ils ont eu de la chance parce qu'on n'a pas le temps de parer une chute comme ça quand on la voit pas arriver. Et finalement, c'est une chute lourde, même si ça n'allait pas très vite. Et ils auraient pu se faire mal, oui. Alors le deuxième incident, après, c'est Lance Armstrong, qui non seulement m'a piqué ma casquette, c'est Lance Armstrong qui ensuite va déchausser pendant la montée. Oui, alors là, c'est plus surprenant. Peut-être en tombant, a-t-il eu un problème avec sa cale, c'est possible. Hein. Et là, il déchausse. Pareil, quand c'est un point d'appui important, les pédales, on le sait. Hein. Il y a trois points d'appui dans le vélo. Hein. C'est le guidon, la selle et les pédales. Et quand il y en a un qui se dérobe, comme c'est le cas là, bien, on perd l'équilibre. Et bon, si ça arrive en descente, c'est catastrophique. Là, il est encore lucide. Il réussit à rétablir une situation qui était mal engagée, à remettre sa cale. Mais je pense que ça a dû bien l'exciter, bien l'énerver pour la suite de la course. Et il en a peut-être voulu un petit peu au sort, et ça l'a certainement poussé à attaquer. Alors on a vu tout à l'heure le beau geste de Lance Armstrong qui tape sur l'épaule de Chavanel pour lui dire merci, bravo, mais il y a le grand geste quand même d'Ulrich qui a attendu Armstrong. C'est un comportement de seigneur, ça. Bien sûr, il faut le souligner parce que Ulrich a été seigneur, c'est vrai. On n'attaque pas un coureur quand il est tombé, il était devant, pourtant il aurait pu poursuivre son effort, il s'est arrêté. C'est un beau geste et la bagarre a repris de plus belle un peu plus tard. Et je pense que c'est un geste en plus qu'il a pénalisé à Ulrich, lui qui n'aime pas les changements de rythme. Bien là, il a été obligé de s'arrêter. Et au passage, quand c'est revenu et que Maillot a attaqué, bien Ulrich a accusé le coup de suite. Donc c'est peut-être un geste qu'il a pénalisé, mais il a eu au moins le fair play de le faire. C'est bien. Et à l'image, on voit même Hamilton aussi dire à Basso, je crois, qui est juste à côté de lui, attention, Armstrong est tombé, il y a un problème derrière, hein, il me semble. Oui, bon, mais je pense qu'ils l'ont tous vu, ils étaient tous derrière, ouais. De toute façon. Ouais, chapeau. Peut-être on retourne en direct dans la descente de Luzardinen, merci Laurent. Je ne sais pas, Damien Nazon, si vous m'entendez encore, Damien. Thierry Adam. Oui, on est encore Je vous entends, la descente, ouais. Et Damien doit vous entendre d'ailleurs.
Ouais, on est reparti. Ouais, ouais. De toute façon, on continue, hein, puisque de toute façon, on n'a plus de soucis. Il n'y a personne. Il n'y a que des gens qui descendent à pied. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde. Et surtout, la gendarmerie qui fait parfaitement son travail dans la montagne a arrêté tous les cyclotouristes de façon à ce qu'il n'y ait pas un accident, parce qu'on ne peut pas faire de slalom dans les voitures. Et je peux même vous dire qu'il y a Yann Ulrich qui vous regarde, parce qu'il est avec Jacques Hanegraaff dans la voiture noire qui est devant. Et ça le fait sourire, Yann, pour une fois que la course est terminée, qu'il est descendu à pied. Eh bien, je peux vous garantir qu'il est en train de regarder Vélo Club, parce que ça le faisait beaucoup rire ce qu'on faisait, comme on était dans un contrebas, vous savez, dans un virage, nous au-dessus, lui en dessous. Et il nous regardait et il avait un petit clin d'œil, à l'air de se dire, bah, vous êtes pas bien, attends ce que vous faites. Hein, Damien, juste à côté, vous pouvez lui parler, Gérard. Hein. La vitesse. Fabrice Roche, à la moto. Pilote de moto, qui a fait le Dakar d'ailleurs, Fabrice. Avec Dominique Kowalski. Et ça, c'est Jacques Hanegraaff, qui est le responsable de la communication de l'équipe Bianchi, que nous aurons d'ailleurs en direct, toute l'équipe Bianchi, avec Yann Ulrich, dans deux jours, à l'arrivée à Bayonne. Et il semble apercevoir Yann Ulrich. Ulrich ou Ulrich, je crois que ces deux choses se disent en allemand. Voilà, j'ai mal au cœur, dit Bernard Chenez, qui est en direct avec nous. Thierry, on reste avec vous parce que c'est assez formidable, ça. La descente vers les hôtels, vers les bus. Thierry, vous nous entendez encore ? Oui, je peux vous confirmer que c'est bien Yann, hein, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça le fait beaucoup sourire, cette petite affaire, parce que bon, il a attendu très longtemps, hein, pour descendre, mais il le prend avec le sourire. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Hein, il a un petit peu. Yann Ulrich a beaucoup changé dans sa mentalité. C'est un garçon qui s'est un peu libéré, qui s'est ouvert, et il prend tout ça avec une certaine philosophie, puisqu'on ne peut pas descendre en hélicoptère. On va descendre en voiture, et je peux vous dire que voilà, on descend tranquille. Et Jacques Hanegraaff a le sourire, et Yann Ulrich aussi, c'est une évidence. On va peut-être essayer de voir si on peut aller demander un petit mot à Jacques Hanegraaff, mais ça descend tellement vite que c'est difficile de faire l'interview par la fenêtre. On va essayer quand même, puisque nous y sommes, et que Jacques est là, et que Jacques parle parfaitement le français. Jacques, juste un petit mot. Alors il conduit, Yann Ulrich, il me fait signe en bas, ce sera plus facile. Yann derrière, Yann à ses côtés tranquillement, et tout un quart de l'équipe Bianchi qui descend tranquillement. Là on va s'arrêter un peu, je pense qu'on va pas tarder à freiner, parce que tout le monde en arrive un peu en bas de la descente, et donc tranquillement on va freiner. Il y a même un, c'est quoi, c'est un ours, une marmotte sur la gauche, je sais pas, c'est une marmotte. Il se pose, hein, je vous rassure. Là il y a des voitures mal garées, ça c'est moins bien. Donc voilà, c'est les gens qui ont réussi bien à monter jusqu'ici. Oui, non mais on évite tout tous les jours, hein, je vous rassure. Thierry, il y a un son, on vous reçoit 5 sur 5, c'est une merveille absolue. En plus, l'impression de vitesse grâce à nos copains les motards, qui sont vraiment particulièrement doués, talentueux. Bruno Mallet qui est devant vous, c'est ça, c'est Bruno ? Oui, tout à fait, c'est Bruno. Je le garde toute l'année. Je le mets en concert quand il ne roule pas. Donc la descente de l'Uzardiden, normalement très embouteillée, et là en convoi, ça s'appelle comme ça pour faire gagner du temps aux coureurs, pour qu'ils puissent récupérer le plus vite possible, se rendre dans les hôtels où justement il y a les collations qui les attendent, la douche et les massages. Thierry, on est encore avec vous, on reste avec vous parce qu'on va avoir tout à l'heure malheureusement une coupure avec l'avion qui va être obligé de dégager un peu. Thierry ? Oui, c'est possible qu'on ait des coupures. Là, on descend, donc je pense que Rudy Pevenage va me gronder. Il est juste devant, hein, Rudy, donc j'espère que non. Non, je plaisante. Devant nous, il y a la voiture Cofidis qui descend, dans laquelle il doit y avoir, je crois, Médéric Klein. On va aller à sa hauteur, on va aller voir pendant que nous y sommes. Là, je peux vous dire qu'on descend quand même un peu comme on descend avec les coureurs, c'est-à-dire qu'on est à 80-90 km/h. Alors, vous me direz, en voiture, c'est plus logique, sauf qu'il faut quand même être prudent dans cette descente. Et puis, de même que ça vous montre un petit peu comment les coureurs descendent. Il y en a un qui répare à côté, mais c'est pas un vrai, c'est un cyclotouriste qui a crevé dans la descente, Michel, et vous savez ce que c'est, hein, quand ça arrive et qu'on est tout seul, parce qu'il est tout seul le pauvre, il n'y a pas un mécano qui surgit, hein. Vous savez que aujourd'hui Yann Ulrich a crevé d'avant arrière et qu'il a fallu aller assez vite pour réparer. Là il n'y a pas de mécano derrière, il y a un petit pont, c'est moins facile, et donc on fait un petit rallye, quoi, en fait, hein. C'est simple, hein, c'est un rallye.
Rudy Pevenage qui discute avec ses coureurs. En fait, il y a la moitié de l'équipe Bianchi qui descend dans les voitures. Et devant, il y a la moitié de l'équipe Cofidis. J'ai l'impression que la plupart des équipes descendent leurs coureurs aujourd'hui en voiture. On va récupérer pour la plupart les bus, je pense, en bas. Il y a même des coureurs qui sont descendus en vélo, hein, je tiens à vous le dire quand même. Il y a une moitié en vélo, en fait, et une moitié en voiture. Et donc, forcément, eh bien, tout le monde va arriver avec allez, quoi, une heure et demie après l'arrivée de Lance Armstrong au niveau des hôtels, je pense. Thierry, vous nous faites signe dès que vous êtes arrivé en bas, parce qu'on a juste, c'est tout bête, mais un problème d'essence pour l'avion, un problème de carburant. Il va être obligé de stopper et de retourner sur l'aéroport pour faire le plein, et en particulier pour demain, alors qu'on voit là la fin du convoi. On vous voit arriver tout en bas, les images sont merveilleuses. Il y a du monde, hein. Et ouais, je vais en profiter pour m'excuser auprès de tous les fans d'urgence, parce que, étant donné l'actualité du jour, cette étape assez extraordinaire, la chute d'Armstrong, sa victoire, nous avons fait sauter, si je puis me permettre, l'épisode d'urgence. Tous les fans d'urgence retrouveront leur feuilleton favori demain, leur série favorite demain. Voilà. Thierry, il reste encore combien de kilomètres avant les bus? Est-ce que vous le savez? Il reste encore un petit peu de kilomètres, je pense. Hein. On n'est pas encore arrivé. Je pense qu'on est sur le plat là, on est sur le faux plat. Okay. Donc on va arriver tranquillement. Alors je regarde quelque chose. C'est pas facile, hein, mais je pense que la voiture de Lance Armstrong doit être juste. Non, c'est celle de George Hincapie qui est juste devant la voiture de Jan Ullrich. Monsieur Poulpe, c'est juste pour sourire. J'allais voir si c'était pas la voiture de Lance Armstrong, parce que Lance devait descendre en hélicoptère, je crois. Mais je crois que ce n'était pas possible, donc je pense qu'il est descendu aussi en voiture. Bon Thierry, on se rappelle éventuellement, si vous êtes encore en liaison avec nous, et si l'avion tient le coup, on se rappelle dans quelques minutes. Et de toute façon, on aura, grâce à Céline Géraud, Céline qu'on va retrouver dans quelques secondes, la liaison avec l'hôtel pendant que la course continue pour aller le plus vite possible vers les bus. C'est une petite invention, Michel, hein, pour le Vélo Club. Parce qu'on a l'impression que les directeurs sportifs continuent le match. Hein, ils continuent le match. On a l'impression que c'est les directeurs sportifs qui se tirent la bourre. Là. Marc Strins, avant de retrouver Céline, Marc, vous qui êtes responsable en particulier des liaisons. Hein, je ne suis pas le responsable, je fais partie de l'SFP. Il y a toujours la modestie de la SFP. Ouais, Michel, on se connaît toujours bien. Explication technique, je vais faire un petit schéma au fur et à mesure où vous nous expliquez comment ça fonctionne. Eh bien aujourd'hui c'est une étape très difficile avec le brouillard, donc les hélicos ont été off, donc c'est on a eu deux avions qui ont survolé la course, un avion qui est beaucoup plus haut, qui est pressurisé, qui fait 3 images, et un avion en dessous qui fait 4 images. Donc aujourd'hui, ça a permis à l'ensemble des spectateurs de pouvoir voir les 5 images dans la montée à Luzardiden. Alors normalement, il y a des hélicoptères qui font le relais entre les deux, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, l'hélicoptère était clos au sol, les boules Westcam aussi, donc il restait que les mobiles, les 5 motos. Donc les 5 motos, les images montent dans les avions. Il y a Stéphane Gauthier qui est dans son avion depuis 6 heures, donc il commençait à en avoir marre. Je pense qu'il est content que l'émission se termine. Et donc, il dessine bien, GG. Oui, très bien, oui. Et donc, les images... Ah oui, Bernard. Non, pas de crainte, j'aurais jamais le même talent, Bernard. Je comprends que vous soyez inquiet, Bernard. Donc, les images montent dans l'avion, et de l'avion, ils reviennent en numérique sur des points intermédiaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on avait 3 points intermédiaires avant que l'image arrive à la ligne d'arrivée. Donc c'est très compliqué. Tout ça c'est très compliqué. Donc quand vous dites 5 motos, c'est-à-dire qu'il y a 3 motos images et 2 motos son. C'est 5 motos images, 2 motos son. Il y a 2 hélicoptères. 2 hélicoptères relais, 2 Westcam. Il y a 3 points intermédiaires, il y a un quart régie. Et vous voyez, donc ça fait 46 personnes. L'équipage de l'avion, ça fait 6 heures qu'ils sont en l'air. Et l'avion, Stéphane, et puis son pilote, ça fait 6 heures qu'ils tournent au-dessus de nous. Et alors, on va aussi citer donc le Britain Norman 2, là-haut, le bimoteur qui tourne pour les liaisons radio, avec Michel Bossard, qui est un Belge, qui est le pilote, et Michel Coepel, qui eux tournaient à 4500 mètres. Oui, mais eux, ils faisaient les liaisons au son pour qu'on puisse se parler les uns les autres et coordonner l'ensemble de la récupération des images. Voilà. C'est une vraie performance, pour une fois. Allez, on le souligne et on vous dit vraiment chapeau. Ben, c'est bien, je pense que tout le monde est satisfait du travail que nous faisons. Et aucune course au monde n'est retransmise comme ça.
C'est vrai. Sans les étrangers qui le disent. Unique au monde. Et pour être très complet, Marc en plus assure la coordination des motards qui ramènent des cassettes tournées par des caméras qui enregistrent quand le direct n'est pas là. Ça veut dire que ce monsieur-là, par lui, tout passe. Et d'ailleurs, il sera augmenté dès demain. Bah, c'est tombé bien. Mon patron était là aujourd'hui. On a demandé une augmentation, c'est d'accord. Voilà, on vient d'atterrir, merci pour l'instant, donc on n'a plus de liaison pour l'instant avec Thierry Adam, mais en revanche, on aura normalement l'arrivée des coureurs de la boulangère à l'hôtel Céline dans quelques secondes. Claude Aymard, vous avez réussi à coincer Cédric Vasseur, Claude. Eh oui Gérard, aux côtés de Cédric Vasseur qui vient de me dire, ouais, c'est, moi je lui ai dit c'était pas trop mal, il me dit ouais je termine quand même à 23 minutes d'Armstrong, mais quand même pas mal parce que le groupe Eto est loin derrière. Oui, pas mal, dans la mesure où c'est vrai que j'avais pas de mauvaises sensations, mais c'est un peu frustrant d'avoir de bonnes sensations et de finir à 23 minutes. Donc, bon, je suis pas un grimpeur. Cette année, ça roule très vite et je fais le maximum avec mes moyens, quoi. C'est ça, c'était une étape quand même difficile pour un non-grimpeur comme vous, Cédric. Oui, c'était une étape difficile. Il fallait surtout pas se faire décrocher avant le pied du Tourmalet. Et c'est vrai qu'il y a des moments où ça a été difficile, mais je pense que c'est une question de mentalité, de morale, et on sait qu'on doit tenir au moins jusqu'au pied du Tourmalet, donc on s'accroche. Puis après, c'est vrai que j'étais pas trop mal. Je me suis retrouvé dans un petit groupe. On a monté tranquillement ici sur le Zerdiden. Et voilà, donc demain, jour de repos, ça arrive bien. Des nouvelles de David Millard, parce que apparemment, il n'est pas arrivé, il était derrière, non? Bah, ça fait plusieurs jours qu'il traîne une bronchite maintenant et c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour aborder les Pyrénées. Mais je pense que c'est quelqu'un qui accroche, il a Francis qui le soutient toute la journée. Et je pense que la journée de repos va lui faire le plus grand bien aussi. Et j'espère qu'il sera au maximum de ses moyens au départ d'étape au Bayonne puisque c'est une étape qu'il affectionne particulièrement. Eh ben on l'attend, merci beaucoup Cédric. Merci Claude et merci Cédric d'avoir patienté de cette façon-là. Philippe Lafont, vous étiez aujourd'hui, vous aviez choisi la Fassa Bortolo et Giancarlo Ferretti, qu'on appelle un peu le professeur, parce que c'est un cas très particulier quand même. Imaginez-vous, depuis 30 ans vous êtes directeur sportif, vous êtes un stratège du vélo, vous aimez gérer vos gens, 9 coureurs, une équipe complète et attaquer la course. Vous avez 4 victoires d'étape et d'un seul coup, au bout d'une semaine, vous vous retrouvez avec 3 coureurs, dont un coureur qui est 6e au classement général. Comment on fait, comment on gère? Stratégie, leçon du professeur Ferretti. Chez Fassa Bortolo, les comptes sont simples. 4 victoires d'étape signées Petacchi, 3 coureurs rescapés sur 9 depuis une semaine, un leader Ivan Basso, 6e au classement général ce matin. Il faut tenir. All'inizio della tappa, se succede qualche cosa. Au début de l'étape, o vanno. S'il arrive quelque chose, s'il y a une échappée, pour nous le début ne compte pas. On laisse faire ceux qui ont une équipe plus complète, plus forte, et qui ont des places plus importantes à défendre. Pour Cioni et pour Bouzeguin, vous deux voyez comme on le fait d'habitude, pour tenter de tenir le plus longtemps possible sur le Tourmalet. Et le reste, Basso le fera. Aujourd'hui, vu que demain c'est le repos, voyons un peu s'il y a moyen de tenter quelque chose, si tu es aussi bien que les autres jours. Essaie de faire un truc, de bouger. Et si on réussit à faire bien encore aujourd'hui, comme dans les autres étapes de montagne, on peut dire que celle-ci est la vraie dernière. Disons que la moitié du travail, sinon la moitié de ce que nous voulions faire sur le tour, nous l'aurons fait. Il restera le contre-la-montre et on verra. Bien, la réunion est terminée. Bonne chance. Bien les gars, je crois que vous devez être parmi les 30-40 premiers. Restez-y, mais attention, c'est dangereux là. Restez attentifs. Toutes les antennes dehors. Début d'étape, 20 km à 60-70 km/h, peloton ultra nerveux, difficile pour les trois hommes de Fassa Bortolo de tenir. On est là. Comment ça va? Alors, je fais mon possible. Mais c'est seulement la vitesse, ne t'inquiète pas, vous êtes allé très très vite, c'est seulement ça la vitesse Dario. Ne crois pas que ça ne va pas. Derrière les voitures des directeurs sportifs et ne pas faire le match. L'ascension. Basso est encore avec les meilleurs. Derrière l'échappée, Bouzeguin doit l'aider et c'est dur.
Tout va bien? Allez, vas-y! Mais vas-y donc, bon sang! Bravo Ivan, bravo! Bravo Ivan Basso! Vai col tuo passo, tu y vas à ta main, hein? Tu ne prends pas d'initiative! Tutto deve ancora tout arrivare. Peut encore tutto arriver, deve tout peut arriver! Et voilà le travail! Ivan Basso arrive ce soir 6ème, toujours 6ème au classement général. Ivan Basso, donc 6ème, qui termine à 47 secondes seulement d'Armstrong. Je veux dire seulement. Hein. Il est toujours bien. Il est bien, bien, bien. Hein. Et les coureurs rentrent, les trois coureurs rentrent, et ils continuent à 3. Et ça marche. Vous voyez, une petite caresse toujours de Ferretti derrière, un petit coup de bâton, et ça fait avancer tout le monde. Vous lui avez parlé, à Giancarlo Ferretti, je pense, de l'abandon de Petacchi. Il est très en colère d'une part que la presse ait dit qu'il ait fait une cipollini, entre guillemets, parce qu'il dit c'est pas le genre de mon coureur. Il a abandonné parce qu'il était, il se sentait mal, il était malade. En revanche, je lui reproche de ne pas avoir assez su souffrir. C'est-à-dire qu'abandonner à 4 km dans une ascension, on se fait un peu plus mal. Jean-Luc Fong de Stella, il nous a fait l'honneur de venir nous rejoindre. Alors Jean-Luc, comment se sent-on à quelques minutes de cet événement historique? Écoute, je me sens très très bien parce que ça fait déjà tout l'après-midi que je me promène ici. Il y a plein de monde, il y a plein de stands, c'est une ambiance terrible. Il faudrait qu'il y ait ça tous les jours. Donc si c'est possible que les gens qui organisent ça fassent ça tous les jours, donc voilà, j'ai demandé quoi. Alors vous allez jouer avec un orchestre, une quarantaine de musiciens, oui. Ça vous impressionne ça, vous m'avez dit. Ah oui, non. On a répété hier et c'est vraiment excitant parce que moi je vais préparer tous ces morceaux, tu sais, au synthé, comme ça, avec mes petits doigts et tout ça. Et puis là, il y a un vrai musicien qui a tout noté, et là il y a 40 musiciens qui vont jouer ça, et c'est génial quoi.